et ce n'est pas le moment de les énumérer tous ici, je parlerai de trois qui me tiennent particulièrement à cœur. D'abord, j'ai eu l'occasion d'initier des projets pour les plus faibles, pour les plus vulnérables, pour les personnes handicapées. Je suis très fière de vous annoncer que notre commune, après cette mandature de 6 ans, a été décrétée Handy City, c'est-à-dire que nous avons été récompensés pour toutes les actions que nous avons faites et l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Dont je suis très fière aussi, c'est que nous avons reçu la brique d'or. Cette brique d'or est décernée pour notre action en faveur de jeunes adultes de grande dépendance et notre projet pilotis dont le représentant est d'ailleurs ici parmi nous. Dans l'ancienne crèche qui se trouvait avenue Orban, la crèche des Coccinelles, nous allons donc accueillir une unité de vie pour ces jeunes adultes. Donc voilà, c'est... n'est pas encore très visible pour vous de l'extérieur, mais c'est un projet de longue haleine, puisque je crois que les habitants de notre commune, très justement d'ailleurs, attendent d'avoir une administration communale moderne, compétente, efficace et surtout bien gérée. Et donc j'ai initié le lancement d'un grand projet de rénovation, de redéploiement de notre administration, dont vous verrez les effets avec le temps. Je peux déjà vous assurer et vous dire que notre site internet à la fin du mois sera totalement rénové et que vous pourrez trouver une navigation beaucoup plus simple que ce n'est aujourd'hui.